Som chen koi cho. Please be seated. Les représentants de la presse ont prié de quitter la salle, so that we can commence de sorte que nous puissions ouvrir l'audience. Hearing. Today, aujourd'hui, in the name of Cambodian au nom people du peuple cambodgien and the et de, des Nations Unies, and et conformément à la loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens for the prosecution pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchea démocratique, loi promulguée par le décret royal NSRKM. NSKM 1004/006 en date du 27 octobre 2004, la chambre de première instance des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens déclare ouverte l'audience au fond dans le dossier 001 concernant Kang Kiek-Iu, alias Dutch, alias Dutch, aged 66, âgé de 66 ans, qui est accusé crimes against de crimes contre l'humanité, de violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949 et de violation du code pénal cambodgien de 1956, which consists of premeditated murder, à savoir homicide, 501 and 506, articles 501 et 506, and torture, et torture, article 500. Offenses defined and punishable under article 3 new, prévus et réprimés 5, par les articles 3 nouveaux, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et concernant S21 à Phnom Penh. La chambre est composée comme suit. Le juge président Neil Non, Madame la juge Sylvia Cartwright, Monsieur le juge Jean-Marc Lavergne, Yoso Khan, Judge Tumani, and Madame two reserve Claude, judges. Monsieur le juge Jean-Marc Lavergne, Monsieur judge le juge Tumani et deux juges suppléants, judge Claudia Monsieur Fence. Le juge Otara et Madame la juge Claudia In this Fence. Case file 001, there are 93 civil Pour parties, cette affaire 001, il y a 93 parties civiles lesquelles ont été réparties en quatre groupes et qui sont représentées par 15 avocats, dont 6 avocats cambodgiens et 9 avocats étrangers. Have you already verified vérifié l'identité des parties et les parties présentes this morning? Ce matin. Have already verified Monsieur le Président, the j'ai vérifié quelles étaient les parties présentes ainsi que leur identité.
The five civil parties representatives are absent. Cinq représentants des parties civiles sont absents. Today we have 44 civil nous avons parties 80 in attendance. 44 plutôt parties civiles présentes. Le président. The greffier make sure that this attendance sheet je will be recorded in the transcript. Que les parties présentes soient bien mentionné dans le procès-verbal de l'audience. Guard, je demande maintenant au responsable du centre de détention d'amener l'accusé. Mr. Kang Gik-eul, please stand up. Monsieur Kang Gik-eul, veuillez vous lever. The next proceedings is relating to the questions that the chamber may ask La chambre the accused to state identity. Vous demandez de décliner votre identité. Quel est votre nom? L'accusé, je m'appelle Kang Gik-eul. My name is Kang Gik-eul, alias Doj. Alias Doj. Could you please spell Le président, your name? Est-ce que vous pouvez épeler How votre nom is it spelled? À notre intention. Comment épelez-vous Gik-eul? L'accusé parle sans micro. In Latin, Gik-eul should be spelled son as nom en Khmer. G-O-E-K space. Et en caractère latin, G-U-E-K et ensuite E-A-V. Besides these names, have you nom, used other names? Est-ce que vous avez utilisé d'autres noms? The president, since I was born, réponse. Depuis ma my naissance, father gave me the name of Yun Tio. Mon nom était Yun Tio. C'est le nom que m'a donné mon père. This name was given to me after 3 months when I was born. Trois mois and, après ma naissance. My name was registered. C'est à ce moment-là que ce nom était enregistré à l'état civil. My original name was Kang Tio. Et donc je m'appelais au Then départ later, Kang Tio. There was a teacher who Puis plus tard, pretended to be a fortune teller gave me the name of Jim Kyo. Un enseignant qui était aussi devin And then I m'a donné un autre school, nom. I used the name Kang Kyo. Et à l'école, je me faisais appeler Kang Kyo. In 1957, took the exam of the primary school J'ai exam. Passé l'examen then de I changed from Kang Gik-eul to Kang Gik-eul. Mon nom as est alors agreed devenu by my father. Then when de mon I père. Came to enter revolution, Puis I used Kang Gik-eul alias Doj, and Doj is my revolutionary name at that time. Duc. In 1986, I went to China. Je suis allé en Chine. I used the name Hong Pen. Où je me faisais appeler Hong Pen. In China, I worked until 1988. Je suis resté en Chine jusqu'en 1988. And I came back, and I still use the name Hong Pen. Et j'ai continué à utiliser ce même nom après mon retour de Chine. Where were you born? Le président, où êtes-vous né? Your Honours, my real birthplace was in Je suis Powai village, né au village de Powai. Dans commune, la commune Stong de Pembang, district de Stong, dans la province de Kampong Thom.
The president, what is your occupation before quel you votre métier were arrested? Avant votre arrestation? Recently, réponse. Before I was arrested by the military court, le dernier temps avant I mon arrestation par le tribunal militaire, j'étais enseignant district, dans le district province. De Somlot, dans la province de Battambang. What is le président, your father's quel name? Est le nom de votre père? Is he still alive et est-il or deceased? Toujours en vie ou est-il décédé? The court official, could you please help facilitate le the microphone for the accused? À l'huissier the president, d'aider l'accusé pour ce qui est du micro. Your honors, réponse, Monsieur le Président, le nom de mon Kang père Ki, était Kang was born Ki. In 1915. En 1915. He died in 1990. Et il est décédé what en 1990. Le Président, quel est le nom de votre mère? Est-elle encore en vie ou est-elle décédée? She was born in 1923. Elle est née en 1923. Now she is still alive. Elle est toujours en vie. Do you have any wife? Le président, êtes-vous marié? Quel est le nom de votre épouse et est-elle toujours en vie ou est-elle décédée? Réponse. Yes, I got a wife. Oui, je suis marié. Married on the 20th of December 1975, but je me suis marié le 20 décembre 1975, mais elle est décédée le 11 novembre 1995. How many children le président, have you combien d'enfants avez-vous? The interpreter regrets that he cannot hear. Micro pour l'accusé. The interpreter regrets that he does not. We do not receive any sound from the accused. The second child is a boy. His name is Hong Siu Peng. J'ai plusieurs enfants. He le deuxième s'appelle Hong Siu Peng et il habite à Somlot. C'est the un third enseignant. Child is Hong un garçon. Ming. Le troisième enfant s'appelle Hong Siu Min. A boy now c'est lives aussi un garçon qui habite à Somlot aujourd'hui teacher. Et qui travaille comme enseignant. The fourth child le quatrième named Hong Tai An, s'appelle Hong Tai lives An, in Somlot habite and aussi is a teacher. À Somlot et est également enseignant. Mr. Kang Kek Il, le président, since you are the accused person in this case, Kang Kek Il, during vous this hearing en la présente and affaire, the sub, sorry, or rather sequential hearings, par you have the following rights. Et aux audiences qui suivront, vous aurez the le droit suivant, defended, le droit d'être défendu par by a lawyer of un your avocat choice. De votre choix. Regarding this right, the chamber sur ce plan, la that Chambre from the constate que depuis la phase de l'instruction now, jusqu'à lawyers, aujourd'hui, vous êtes défendu par deux conseils, Mr. un avocat Kassavut, cambodgien, Maître Karsavut, et un avocat Mr. étranger, Maître François Roux. At every stage à of tout the stade de la procédure, you have the right vous avez également to le droit silent. De garder le silence. The right to vous avez le droit de ne pas faire de déposition qui risquerait de vous incriminer et vous avez le droit d'être informé des chefs d'inculpation you. Qui pèsent contre vous. Monsieur Kang Kek Il, est-ce que vous avez reçu une notification des chefs d'inculpation à votre encontre? Réponse. I have already been notified oui, Monsieur le Président, j'en ai été informé. When did you receive that notification? Question. Quand avez-vous reçu notification des chefs d'inculpation? Since I arrived at the ECCC. Quand je suis arrivé devant les CETC.
the president, in addition to the notification of charges and in compliance with Rule 89B of the internal rules, the trial chamber assigns two greffiers, Ms. Sai Colvotti and Mr. Dupari, to read the factual analysis in the indictment and the counts against you from the co-investigating judges. Closing order, paragraph 10 to 162. Together with the pretrial chamber's decision on appeal against the closing order, paragraphs 152 to 153, the president would like to inform that, the chamber would like to inform that the names of soit aussi indiqué que les noms the people involved shall be used with the pseudonym unless there will be any particular measure issued. I would like to give the floor to Ms. Sekulvuti to read the first part of the factual analysis. Pour qu'elle nous donne la lecture de l'analyse de la décision de renvoi. Young Tam de Kamin Chirung Tajum Dom Jumre, Jotangai Tipram Bay, Kai Say Ha, Champi Pam Pram Bay, Trip Ban Kai Pride, I sat a car robot on Bore Jum Dom Jumre, Jotangai Tipram, Kai Tanu, Champi Pam Pram Bay, Diamond John Job Chow Chmu, Kang Kay Yu Halduk, Pet Pro, John Kit Kmai, Kat Nutangai Tipram P, Kai Vichika, Champi Pam Pram Wondroy size of P, No Pum Powery, Kum Pim Bang, Slock Stone, Kat Kampung Tom. Monsieur le Président, est-ce que la Chambre voudrait autoriser l'accusé à s'asseoir pendant la lecture de l'acte d'accusation? On B. Est-ce que la Chambre voudrait autoriser l'accusé à s'asseoir pendant la lecture, Monsieur le Président? On n'entend pas. I would like the lawyer for the accused to speak again. Nous n'avons pas de traduction. Okay, the accused lawyer asked whether the accused would be allowed to sit down for the duration. Ông chủ nhà tự tuân sơn đồng bồn đi, vận tài ông chủ nhà xong chủ nhà. The chamber will accept the request, but the chamber would like to request that the chamber has its own proceeding within the time frame. Cela étant, nous avons une certaine procédure à suivre. Where the listening to the charges and the counts until a certain paragraph where the chamber will allow à l'accusé de rester debout pendant partie de la lecture des faits. But now it is not yet the time. Et nous signalerons le moment où l'accusé pourra s'asseoir. The president, may the graphier continue. Je demanderai au graphier de poursuivre la lecture. Who was detained in the ECCC since the 30th of July 2007 and was charged with crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and violations of the 1956 Cambodian Penal Code, offenses defined and punishable under Articles 3 New, 5, 6, 29 New and 39 New of the law on the establishment of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of democratic Cambodia. The President, because the reading of the counts is
could take a long time, I commit the accused to sit and listen to the counts and the factual analysis. À s'asseoir pour la durée de cette lecture. The greffier. Greffier, je vous en prie. The investigation reveals the following facts. Part 1, summary of facts. Les faits suivants. A, première partie, historical des faits, and political context. Historique et politique. On 17 April 1975, the army of the Communist Party of Cambodia, CPK, the Cambodia's People's National Liberation Armed Forces, KPNLAF, entered Phnom Penh and seized national power. With the end of the civil war against Lonnol's Khmer Republic, the CPK's stated policy was to pass to the next phase of making socialist revolution. During the 3 years, 8 months, and 20 days that followed, the CPK exercised effective authority over democratic Cambodia and pursued a policy of completely disintegrating the economic and political structures of the Khmer Republic and creating a new revolutionary state power. Historians and observers agree that this program was implemented through a number of means, including the forced transfer of residents of Phnom Penh and other former Khmer Republic strongholds to the countryside. The creation of party control agricultural production cooperatives where people were made to work under extremely difficult conditions to increase food production and the elimination of officials and supporters of the previous regime. Many of these CPK policies required the transformation of the new people into peasants. These individuals were broadly made up of evacuated city dwellers and peasants living under Lonnol control until April 1975, as distinct from the old or best people who were essentially peasants from areas already under the authority of the CPK during the Khmer Republic period. Politically motivated extrajudicial executions were committed from the outset of military units. They continued thereafter in security centers throughout the country. The CPK foreshadowed these events by organizing in February 1975 a popular national congress of the National United Front of Cambodia, at which it publicly announced that seven so-called Khmer Republic super traitors were to be summarily killed for treason post-liberation. The congress also declared that lower level Khmer Republic personnel would be welcomed by the revolutionary forces, provided they immediately ceased their service to the seven traitors and stopped cooperating with them. This implied that any such personnel who did not immediately defect to the communist side were vulnerable to summary execution. In fact, it appears that from the early 1970s, CPK security organs, such as M13, chaired by Duch, had been tasked with executions indicating that a policy of physically eliminating persons deemed enemies of the revolution was already institutionalized prior to 17 April 1975. The CPK destroyed the legal and judicial structures of the Khmer Republic. While it is true that Democratic Cambodia adopted a constitution in January 1976, its Chapter 7 concerning justice intitulé « L'organe judiciaire » montre que la priorité du PCK était de protéger l'État contre la subversion. Article 10 provides for an unspecified highest level of punitive sanction for opposition and wrecking activities of a systematic character that endanger the state, while declaring that other crimes must be dealt with through re-education and refashioning within the context of state or popular organs. Although Article 9 promised that courts constituted as people's courts belonging to the people would embody the people's justice and defend the people's rights and democratic freedoms, there is no evidence that they were ever created.
Moreover, while plus, the first and apparently only meeting of what was said to be popularly elected people's representative assembly mandated the formation of a judicial committee in April 1976, no evidence exists of any implementation of Article 9. This led to the punishments set forth in Article 10 to be applied arbitrarily. Furthermore, there is no evidence that the CPK established appropriate facilities pour accueillir for les captured civils, enemy combatants capturés, or civilians, ou mis en place or mechanisms to challenge leur the legality de of their arrest, detention, de leur arrestation, or punishment. Détention, ou de la peine prononcée à leur encontre. The old legal structures were replaced by les re-education, judiciaires de la République Khmer, interrogation, par les and security centers, de where former Khmer Republic officials and supporters, as well as others, Khmer, accused of offenses de against the CPK, le parti, were detained and executed. This network of security centers was supplemented by a program of surveillance at all levels of the regime, which aimed to identify, report, and eliminate potential enemies of those in control of the party. Thus, numerous ainsi, persons, rightly or wrongly, linked to the Khmer Republic régime, or its purported social class foundations, were punished or summarily executed by the CPK in the days and weeks immediately following the liberation of Phnom Penh through to the end of the regime. Un conflit international almost immediately following the KPLA's entry into Phnom Penh on 17 April 1975, international armed conflict broke out between Vietnam and Cambodia. Protracted hostilities continued until at least 6 January 1979. Although the Democratic Cambodia and the Socialist Republic of Vietnam only officially recognized the existence of the international armed conflict on 31 December 1977, there is evidence that from mid-April 1975, with the exception of several respites during peace negotiations or diplomatic and cultural visits, there was escalating and increasingly frequent armed violence between the two states, in particular the former KPLAF, renamed the Revolutionary Army of Cambodia, RAK, fought the Vietnam People's Army at various times in the Cambodian territories of Ratanakiri, Mondulkiri, Kampong Cham, Preven, Swai Rien, Kandal, Takeo, Kampot, and some islands including Pulawai, Koh Achse, Koh Troll, Koh Se, Koh Mai, Koh Samput, Koh Rung, and Koh Mok Riem. At the end of 1977, the conflict escalated into a full-scale war which reached into the democratic Cambodia and led to the decay to seize the United Nations Security Council of the matter. On 31st, le gouvernement du Cambodia December a saisi 1978, le Conseil de sécurité des Nations Unies de la question. By 7 January 1979, the RAK had been forced to flee Phnom Penh. And from that point forward, the regime rapidly lost effective control of the greater part of Cambodian territory. It was against the backdrop of the creation of a radical new Cambodia and the war with Vietnam that S-21 was established. B. Establishment of S-21. On August, on 15 August 1975, Sun Sen called Duch to a meeting at the Phnom Penh train station together with B from Division 703 of the RAK. The purpose of the meeting was to plan the establishment of S-21, which for the purpose of this closing order includes the detention center and surrounding area Tu Slang, as well as its execution and re-education camp branches on the outskirts of Phnom Penh named Chuang Ai and Prey Sor or S-24, respectively.
respectivement. S21 was unique in the network of security centers given its direct link to the central committee and its role in the detention and execution of PKK cadres. Sun Sen appointed B as chairman of S21 and committee secretary, with Deutsch as his deputy in charge of the interrogation unit. Following the meeting, Deutsch brought a number of his former M13 staff to Phnom Penh to join forces with the Division 703 personnel already conducting security operations against former Lunol regime members in Phnom Penh. S21 became fully operational in October 1975. In March 1976, B was transferred to the General Staff and Deutsch replaced him as chairman and secretary of S21. Deutsch confirmed C, a former Division 703 cadre, as his deputy responsible for the day-to-day operations of the office. However, Deutsch admitted he continued personally to oversee the interrogation of the most important prisoners and to be ultimately responsible for S21. The third member of the S21 committee and head of S24 was D. Deutsch stated that he was reluctant to accept his original appointment at S21 and that he tried to apply for an assignment with the Ministry of Industry. He further stated that upon his promotion to chairman and secretary of S21, he asked that the appointment be given to someone else. In any event, Deutsch took command of S21 and by his own admission, understood based on his experience at M13, that he was capable of performing his work better than his predecessor. Under Deutsch's command, S21 was divided into distinct units, each with its own function. The defense section was administered by C and his subordinate E. The interrogation section was directly overseen by Deutsch and was generally managed by F and by G. H was responsible for maintaining the document unit and he reported to Deutsch through C. I was the head of the special unit which had a number of duties. It received those sent to S21, brought them to the chairman of the defense unit, intervened in emergencies and carried out executions. There were also a number of other units, which included photography, medicine, cooking, and logistics. Deutsch ran S21 along hierarchical lines and established reporting systems at all levels to ensure that his orders were carried out immediately and precisely. Several witnesses said Deutsch was feared by everyone at S21. He enforced both the general rules of the party in relation to the work of the secret security police as well as strict rules which he devised for the operation of S21. Deutsch selected his staff personally. Initially, from amongst his most trusted subordinates at M13, and later by recruiting children and adolescents as guards, who, he said, were like a blank piece of paper and could be easily indoctrinated. The original S21 complex was located in Phnom Penh in Bang Kengkong 3 sub-district, Chamkamon district. The detention and interrogation facilities were originally located in a block of houses on the corner of streets 163 and 360. In late November 1975, S21 moved to the National Police Headquarters on Street 51, Rue Pasteur, near Central Market, Sartre-Mail. Yet, in January 1976, it moved back to its original location. Finally, in April 1976, upon Deutsch decision, the prisoners were moved to the premises of the Pognier-Gare Lycée, a high school located between Streets 113, 131, 320, and 350.
S21 operated at this location, which is now the site of the Tuol Sleng Genocide Museum until 6th January 1979. The central building referred to as Building E was used to receive, register and photograph prisoners, and the room was devoted to creating paintings and sculptures that glorified the regime. Four other buildings, A, B, C, and D, were used for detention. Buildings B, C, and D housed the general prisoner population in a mixture of large mass detention cells and small brick or wooden individual detention cells. Building A, together with a block of houses located south of the former lycée called the Special Prison, housed important prisoners. The former school and the special prisons were the heart of the most secure and secret part of the S21 complex. It was surrounded by fences and the interior and exteriors were protected by armed guards. Many other buildings from the surrounding neighborhoods were also part of S21. These included interrogation houses, execution sites and mass graves, mess halls, a medical center, houses for the staff, various offices and houses for Dutch, and a house for the reception of prisoners. These buildings were all situated within a second outer perimeter that was also protected by armed guards. Initially, prisoners were executed and buried in and around the S21 complex. At some time between 1976 and mid-1977, partly in order to avoid the risk of epidemic, Dutch decided to relocate the execution site to Chiang Hai, located approximately 15 kilometers southwest of Phnom Penh in Kandal province, and now the site of a memorial. The execution site consisted of a wooden house where prisoners were held until just before the execution and a large area that consisted of pits for executions. However, even after Chiang Hai became the main killing site, certain executions and burials took place at or near S21. Dutch recognized that S24 was part of S21. In principle, S24 was tasked with reforming and re-educating combatants and farming rights to supply Office S21 and its branches. It was located outside of Phnom Penh near the execution site of Chiang Hai in the area of Wat Kadol in the Dong Cao district of Kandal province. Although witnesses state that the main structures and activities extended from the Presor prison to Chiang Hai village, it appears the total area of S24 was larger. C. Implementation of CPK policy at S21. A. 1. The policy of smashing enemies. The primary role of S21 was to implement the party political line regarding the enemy, according to which prisoners absolutely had to be smashed. The term smash was used and widely understood at the relevant time to mean kill. Every prisoner who arrived at S21 was destined for execution, although one witness claimed he was able to leave S21, the vast majority of evidence demonstrates that the policy at S21 was that no prisoner could be released. This is confirmed by testimony that prisoners brought to S21 by mistake were executed in order to ensure secrecy and security. Et la sécurité. Dutch also claimed he tried to release prisoners on several occasions, but was unsuccessful. Enfin, moreover, other prisoners pleaded with Dutch for their lives or wrote letters through him to senior leaders, but to no avail. The CPK governed Democratic Cambodia primarily through DKK state organizations, CPK administrative bodies, and the RAK. The 1976 Constitution of Democratic Cambodia and the party's own statutes gave the CPK Central Committee wide powers, including the ability to formulate party-wide policy and the authority to issue orders to subordinate zones and sectors. In practice, however, a subcommittee of the Central Committee, known as the Standing Committee, acted as the highest and most authoritative unit in DK.
a standing committee decision from 9 October 1975 gave Pol Pot general responsibility over the military and Son Sen responsibility for the general staff and security. Dutch has repeatedly portrayed S21 as an integral part of the political military structure of the CPK at the center level, referred to variously by Dutch Anka, the organization, the party center, the central committee, or the standing committee. Dutch indicated that, as with all CPK political lines, the policy of smashing enemies was global. It stood for S21, for the entire party, the military, the state authority in the bases, and the police offices throughout the country. Dutch stated that specific decisions concerning the persons to be sent to S21 were made by his superiors, while the exact role of his superiors is currently the subject of a separate judicial investigation. Dutch has declared that S21 was run directly by the Central Committee. Dutch specified, however, that he primarily dealt directly with Son Sen and Jay, both of whom he believed to be acting on behalf of the Standing Committee. Qui selon lui agissait au nom du comité permanent. Although the policy of smashing enemies appears to have remained in force both before and throughout the temporal jurisdiction of the ECCC, the definition of those perceived to be enemies of the CPK evolved and broadened over the period as a result of domestic developments and the international armed conflict between Cambodia and Vietnam. Thus, from late 1975 and into 1976, S21 was significantly involved in the imprisonment, re-education, torture, and execution of persons linked to the ousted Khmer Republic regime. However, by the time Dutch became chairman of S21, the party had clarified authorities to execute at different levels within the regime, and increasingly sent members of the revolutionary ranks through S21. A document dated 30 March 1976 and attributed to the CPK Central Committee reported a number of decisions, the first of which provided that in order that there is a framework in absolute implementation of our revolution, and to strengthen our socialist democracy, the right to decide on smashing within and outside the ranks was to be bestowed as follows. If, in the base framework to be decided by the Zone Standing Committee surrounding the central office, to be decided by the Central Office Committee, independent sectors to be decided by the Standing Committee, the Center Military to be decided by the General Staff. So this text by the co-investigating judges, Dutch commented that it was a historical document. It shows a turning point because it reveals the beginning of internal purges. Before that, mainly officers of the old regime were smashed. From that point, désormais, executions would take place mainly within the party. Dutch adds that in 1976, Pol Pot had eliminated the exploiting classes, private property, officials of the former regime, religions and teaching. Teachers were sent to rice fields. The decision of 30 March 1976 began a new period, during which the internal purges were predominant. In the following months, internal CPK documents would be filled with variations on the theme of a need for heightened revolutionary vigilance with a view to ensuring that the enemy is unable to bore from within the party and the army. Dutch recognized that his role as chairman of S21 was to focus the office on the smashing purported traitors within the ranks of the revolution itself. In this regard, Dutch said, initially, S21 was just for imported prisoners or those from Phnom Penh, as well as members of the Central Committee. At first, low-ranking combatants only came to S21 if arrested in Phnom Penh. As a general rule, high-ranking enemies inside the party, state, military or security apparatuses were sent to S21,
qui était mise en cause dans le cadre d'un processus consistant à obtenir des aveux de la part des personnes arrêtées antérieurement. Quand un supérieur était arrêté, comme par exemple Koutou, ministre du commerce et membre du comité central, ses subordonnés étaient souvent, à leur tour, envoyés à S21. Moreover, de plus, Luke a reconnu que l'application de la politique consistant à écraser les ennemis s'étendait toujours aux membres de leur famille, y compris leurs enfants. Luke a encore déclaré, lorsque la répression s'est intensifiée, S21 a également reçu des personnes de la campagne. I also witnessed massive arrivals of prisoners from certain zones, for instance, when the head of the West Zone Security Office, L, was arrested, I saw many people arriving from that zone. J'ai vu arriver de nombreuses personnes de cette zone. These arrests preceded the arrest of L's superior, M. This was an implementation of Ho Chi Minh's doctrine. Il s'agissait là de l'application de la doctrine de Ho Chi Minh. Avant de couper les bambous, il faut débroussailler les épines. De même pour la zone nord-ouest. Ces faits sont corroborés par les listes de prisonniers. Ils ont été ressortis clairement qu'en janvier 1979, S21 had detained persons from nearly every zone, every ministry, and every military unit in the nation. The role of S21 further extended to executing those in the revolutionary ranks who were accused of being influenced by or under the control of Vietnam due to their former or contemporaneous associations with the Vietnamese Communist Party. This rationale for arrest appears to have increased in direct correlation with the escalation of the international armed conflict. Similarly, as the conflict intensified, the numbers of Vietnamese civilians and soldiers arrested and sent to S21 also grew. Avec l'intensification de ce conflit. 2. Dissemination of policy at S21. The political line of the CPK was disseminated at S21. Dutch and other S21 cadres attended general political education and agricultural production planning meetings convened under the auspices of the Center General Staff. Dutch and other former S21 cadres stated that they also attended training sessions convened by Sun Sen to discuss the need to purge and smash enemies. Former S21 personnel agreed that the policy of extrajudicial execution was widely disseminated throughout S21 at annual meetings of the entire unit, as well as at smaller meetings of its various sub-units. Tenues par les différentes unités. Dutch and other CPK members et les autres membres du PCK ou de la Ligue des jeunes communistes qui travaillaient à S21 were also made aware of the role of their office in implementing these policies dans la mise en œuvre de ces party journals, par Revolutionary Flag and Revolutionary Youth. Le drapeau révolutionnaire et jeunesse allegations of treason les to which S21 prisoners had been compelled to confess were presented as fact dans ces publications publications and alluded to in official DK propaganda, alleged traitors such as les prétendus traîtres y étaient mentionnés notamment, nommément repeatedly referred to comme by name. Cas, par exemple, according to the extracts from taped recorded S21 confessions or written texts were played or read out at meetings outside of S21 to justify the actions of the regime. Dutch considered that from the time he became S21 chairman, specific instructions to and from from S21 regarding security matters were conveyed exclusively through him. Former S21 personnel confirmed that Dutch acted to further disseminate this line within the unit. In an S21 interrogator's notebook, a statement attributed to Dutch noted that the work of S21 is a task of class struggle, that is,
It is aimed at smashing the oppressor class, digging out their trunk and roots to defend the party, defend the proletariat class, defend the democratic Cambodia, and defend the line of independence and mastery. The notebooks of Deutsch assistant, the interrogator, seem to further corroborate the contention that his detailed training of S21 staff was based on instructions from the superiors. F3. Semble corroborer ce cas donc à savoir que le contenu de la formation dispensée au personnel confessions and related documents authenticated by Deutsch l'utilisation des aveux obtenus à S21. Les aveux et documents relatifs à ceci dont Deutsch a reconnu l'authenticité révèlent à quel point S21 joue un rôle actif dans les efforts visant à attaquer et éliminer les ennemis qui s'opéraient à l'intérieur. Outre qu'on exécutait les prisonniers condamnés par avance de trahison, S21 avait pour fonction primordiale d'extorquer aux détenus des to uncover further networks of possible traitors, Deutsch stated that the content of the confession was the most important work of S21. Confessions seem typically to have taken the form of political autobiographies by the prisoners, in which they were compelled to denounce themselves and others as traitorously serving the intelligence agencies of foreign powers, considered to be enemies of the Cambodian Revolution. Those intelligence agencies included the United States CIA, the Soviet KGB, the organs of the Vietnam du Parti communiste vietnamien. These confessions, some many hundreds of pages long, contain detailed descriptions not simply of alleged traitorous activities, but also the structure and operation of all levels of the party and of all administrative units. Deutsch meticulously read, analyzed, and annotated and summarized the maturity of these confessions for his superiors. He was therefore in a unique position to understand the DKY context of the CPK policies applied at S21. Deutsch said that the role of S21 was not to determine whether detainees were traitors, as their guilt was already established by the fact that they had been arrested and sent to S21. It was their confessions which served the political interest of those who control the party by justifying arrest and implicating the networks of those sent to S21. Deutsch now maintains that he was, from an early time, skeptical of the veracity of the confessions, claiming that they were demanded from above. He explained that the contents of the confessions were used as excuses to eliminate those who represented obstacles, adding that even the standing committee, in my opinion, à son avis, did not really believe in it. He also recognized that the operations of S21 were obviously not compatible with the existence of tribunals and procedural safeguards. Deutsch stated that in many cases he was given instructions concerning the extraction and content of specific confessions. In particular, he asserted that at the instigation of his superiors, the words CIA and KGB were initially used by the interrogators themselves. Regardless of whether they contained false or fabricated assertions, the confessions are said by Deutsch to have been given formal weight in deciding upon the arrest of those denounced as enemy agents. He explained that normally implication in one confession was not sufficient for a person to be arrested. It had to occur several times. Confessions obtained from one person often led to the arrest of many others they implicated as traitors. It also appears that names from different confessions were combined to form lists of enemies. Evidence of confessions annotated by Deutsch support his contention that they were forwarded to high-ranking party members. À des membres de haut rang du parti. The functioning of S21. The following sections described and analyzed the acts committed on a day-to-day basis at Tourslai, Pressor,
and Chương 8 by Dutch and his subordinates in furtherance of CPK policy. De la politique du PCK. They set out the general manner de manière générale, in which detainees were processed at S21 from arrest and detention through to interrogation and ultimately execution. One, arrest and detention. 1. Arrestation et détention. Composition A. Of the composition de la population carcérale. Surviving documents les documents have retrouvés permettent the number de préciser le nombre et l'identité des détenus held de S21. Much of this evidence was compiled by the OCP by combining the prisoners' list and execution logs to form a single master list of S21 prisoners named the combined S21 prisoner list. This list indicates that at least 12,380 men, women, and children were detained at Tulslang. Ont été détenus à Tulslang. This compilation is not exhaustive, as some prisoners were not registered, car certains prisonniers n'ont pas été enregistrés, and some records have no doubt been lost. This fact is supported by Dutch, who identified a number of detainees whose names are missing from the compilation. Dans aucun des documents conservés. The prisoners were predominantly Cambodian. The largest group was composed of cadres, workers, and combatants, as well as their relatives who came from virtually every office and unit in the country. And from all existing zones and autonomous sectors, et de tous les secteurs autonomes. The list provides an approximate overview which shows that more than 5,000 prisoners came from DK government offices and over 4,000 families came from DK military units. DK cadres represented les by far the largest group and included a number of members of the central and standing committees, de membres des comités centrales et such permanents, tels A, que K, A, K, O, o N, and P. Et P. There is also les evidence that approximately 200 former S21 staff became prisoners at Tulslang. S'y sont également retrouvés. In addition, it appears that S24 staff were sent to Tulslang. However, it is difficult to establish the precise number with any accuracy. Tulslang also held other Cambodians, including former Khmer Republic soldiers and officials. There is also evidence that a number of Cambodian minority groups, including Jam, were also detained. A number of foreign nationals were also imprisoned at S21, including Vietnamese, Thais, Laotians, Indians, and Westerners. The largest group of foreigners detained was Vietnamese. The list records at least 400 Vietnamese, of which approximately 150 were recorded as prisoners of war, and at least 100 were clearly civilians. Their presence is also confirmed by other evidence, including photo, witness interviews, des confessions, written confessions, and transcripts of radio broadcasts. The first recorded arrest of someone described as Vietnamese was on 7 February 1976, and their number increased as the conflict with Vietnam escalated. Avec le Vietnam. Dutch admitted he was aware of the existence of armed hostilities entre with le Vietnam, et le Vietnam avait existé from mid-April 1975 to at least 6 January 1979. He acknowledged that Vietnamese civilians and soldiers were detained at S21 and estimated that they numbered in the hundreds. Centaines. Regarding S24, en ce qui concerne S24, trop peu de listes ont été retrouvées pour permettre de déterminer précisément combien de personnes y ont été envoyées. Il apparaît toutefois que le nombre de détenus s'élevait au même moment à plusieurs centaines.
an estimate chiffre que Duc a confirmé. Several witnesses plusieurs témoins déclarent que S24 accueillait des hommes, des femmes et des enfants. According to selon Duc, there were two il main y avait deux catégories principales de personnes après SAR. D'une part, celles internées en raison des suspicions qui pesaient sur des membres de leur famille et d'autre part, les subordonnés d'un cadre arrêté antérieurement. Le camp a également accueilli des combattants de différentes unités et des fonctionnaires de nombreux ministères et administrations des alentours de Phnom Penh, ainsi que les membres de leur famille. Despite some en dépit d'éléments de preuve tendant à démontrer le contraire, no Duc affirme qu'aucun étranger n'a été envoyé à Pressar. B. B. Arrestation et transfert à S21. D'après Duc, no personne ne pouvait être transformé à S21 sans que le parti en ait ainsi décidé. Duc explique qu'un membre du comité central ne pouvait être arrêté que sur décision du comité permanent. Pour les autres, il affirme que son supérieur, Nguyen Chia, appelait le chef du service concerné pour en discuter et prendre conjointement la décision d'arrestation. Duc déclare également, et le témoin A a supposé que pour les personnes venant d'autres régions, la décision d'arrêter quelqu'un était toujours prise par le comité central qui se mettait en contact avec la zone, le secteur ou le district concerné pour transférer les individus mis en cause dans les confessions. Duc précise que, sauf pour certains prisonniers importants, il ignorait en général les raisons pour lesquelles les personnes détenues à S21 y avaient été envoyées. Duc insiste en outre sur le fait que S21 n'avait pas le droit d'arrêter les gens, ajoutant que dans la plupart des cas, il était simplement informé par l'échelon supérieur d'une arrestation afin qu'il puisse organiser l'accueil des prisonniers. Il s'avère en fait que plus souvent, les prisonniers étaient amenés par leur unité. Les éléments de preuve tentent cependant à démontrer que le personnel de S21 a procédé parfois lui-même à des arrestations. Selon le témoin B, lorsque S21 arrêtait quelqu'un à l'extérieur du centre, mais dans Phnom Penh, deux scénarios étaient possibles. Soit son unité procédait à l'arrestation, soit lorsque cette arrestation avait déjà eu lieu, elle n'était responsable que du transfert vers S21. Le témoin B a dit avoir été envoyé plusieurs fois hors de Phnom Penh pour ramener les prisonniers à S21 et avoir à chaque fois reçu du Duc une liste des personnes arrêtées. Le témoin C a confirmé avoir aussi escorté des prisonniers de Battambang à S21 avec la personne I en 1977. Il a aussi déclaré avoir une fois conduit deux prisonniers du monument de l'indépendance à l'entrée de S21. D'après le témoin, B, Duc fournissait les noms des personnes arrêtées, indiquait où l'arrestation devait se faire et combien d'hommes étaient nécessaires pour procéder à l'arrestation et au transfert du ou des individus arrêtés. Le témoin B ajoute pour l'arrestation, Duc nous a indiqué le plan et les noms des personnes arrêtées et la personne C mène l'opération avec la participation du messager du Duc. Admet qu'en cas de besoin, une unité spéciale de S21 quittait Phnom Penh munie d'un ordre délivré par le comité central et d'un laissez-passer spécial signé par Sun Sen, l'autorisant à ramener des prisonniers à Khoa Slang. Il précise toutefois que ce système a ensuite été abandonné, ajoutant que le rôle de S21 se bornait à accueillir des prisonniers, non à les arrêter. Quoi qu'il en soit, en tant que seul cadre de S21 autorisé à communiquer avec l'échelon supérieur, c'est forcément à lui qu'incombait la tâche de transmettre et d'exécuter les ordres d'arrestation.
arrestations. Les prisonniers de guerre vietnamiens étaient généralement arrêtés dans la principale zone de conflit située le long de la frontière avec le Vietnam ou à proximité. Duc a expliqué qu'il était informé de leur arrivée sous la forme d'une liste qui était communiquée par personne J ou personne Q, subalterne direct de Nguyen Chia et ancien garde du corps de Pol Pot. Il a de plus déclaré que les internes n'avaient jamais eu à s'occuper du transport des Vietnamiens depuis le théâtre des opérations, puisque cette tâche incombait à l'unité qui avait procédé à l'arrestation. Cette allégation est contredite par le témoin B, qui a déclaré qu'en 1977 et en 1978, Duc l'avait dépêché à deux reprises sur le front Sphe Hien pour escorter des soldats vietnamiens à S-21. De plus, le témoin D a déclaré qu'il avait été envoyé pour travailler à la frontière en 1977 et avait vu des membres du personnel de S-21 transporter des prisonniers de guerre vietnamiens dans des camions de S-21 depuis le théâtre des opérations. C'est le rôle de Duc dans les arrestations. Some sources suggest selon plusieurs sources, Duc a personnellement joué un rôle dans un certain nombre de décisions ayant entraîné des arrestations. Par exemple, il est arrivé de recevoir directement des rapports émanant d'unités administratives ou militaires externes et concernant des arrestations. Il existe également des traces écrites de nombreux échanges entre Duc et la personne R, secrétaire de la 502e division, portant sur le transfert de prisonniers. Cependant, invité à s'expliquer sur ce point, Duc a fait valoir que l'instruction donnée à la personne R de lui adresser des lettres de cette manière était une tactique utilisée par Sunset et la personne J pour ne pas révéler leur nom. Duc a expliqué le 16 septembre 1976, il avait assisté à une réunion des 290e et 170e divisions militaires dont l'objet était de planifier des arrestations. Sunset et la personne S se trouvaient également parmi les participants. Selon Duc, la réunion a été convoquée en raison du nombre exceptionnel d'arrestations auxquelles il fallait procéder au sein d'une seule unité. Il reconnaît avoir assisté à deux autres réunions semblables et ajoute que l'échelon supérieur le consultait parfois avant de faire arrêter quelqu'un, en particulier pour les membres importants du parti. Duc indique que quand on décidait de procéder à une arrestation, le secret et le recours à la ruse étaient de rigueur afin d'éviter les fuites et de prévenir toute velléité de résistance, surtout lorsqu'il s'agissait d'arrêter un grand nombre de personnes en un même lieu. Dans pareil cas, Duc, selon ses dires, chargeait à la personne C de parler au responsable de l'unité concernée pour calmer le personnel et faire en sorte qu'il fasse preuve de méthode dans les arrestations. Duc a encore déclaré que le plus souvent, la décision d'arrêter quelqu'un s'expliquait par le fait que l'intéressé avait été dénoncé comme traître dans des confessions. Il a reconnu parfois, il a reconnu avoir aidé Sunset et plus tard, personne J à faire arrêter ceux qui étaient perçus comme des ennemis en établissant des résumés de confessions dans lesquelles étaient mentionnées les personnes mises en cause par les prisonniers interrogés. Duc non seulement rapportait les détails de ses aveux à Sunset, mais il se prononçait également sur les stratégies à adopter et sur les individus qui devaient être la cible des arrestations. Duc a précisé qu'à la suite de ces rapports, pratiquement toutes les personnes importantes mises en cause dans les confessions avaient été envoyées à S21, tout en précisant que beaucoup d'individus moins importants n'avaient pas été arrêtés. Le témoin A soutient que le pouvoir de Duc de proposer une arrestation en faisant rapport à l'échelon supérieur ne s'arrêtait pas au personnel de S21. Et il a cité notamment l'exemple de la personne T, le président du comité de l'énergie, qui avait été arrêté à la suite d'un rapport établi par Duc. Ce dernier reconnaît que la personne T a été arrêtée, mais nie que cela ait été à la suite d'un de ses rapports.
Enfin, Duc était occasionnellement présent sur les lieux d'arrestation. Par exemple, la personne K a été arrêtée dans la maison de Duc. Le cas n'est pas unique. Duc a précisé, on envoyait des personnes de loin et l'arrestation se faisait chez moi. In the case dans le of cas arrest de l'arrestation of person P, de personne P, il y avait trois personnes, moi, C, la personne C et la personne P. I was in command moi, of the arrest. Je jouais le rôle de commandement de l'arrestation. B and le témoin B et un ancien interrogateur, le témoin E, ont tous les deux déclaré que Duc procédait parfois en personne aux arrestations qui avaient lieu à Phnom Penh. Bien que Duc ait nié avoir jamais arrêté qui que ce soit en personne, il reconnaît s'être parfois personnellement occupé de détenus important. D. Arrest arrestation du personnel de S21. S21 personnel des membres du personnel de S21 ont également été arrêtés. Ils étaient alors soit envoyés à Pressin pour y être rééduqués, soit incarcérés à Tualsin. Les cadres pouvaient être envoyés à Pressin en cas d'infraction mineure ou pour y être placés sous surveillance, notamment lorsque une personne de leur connaissance était détenue à S21. For more serious mistakes, pour des fautes plus graves, telles le fait de laisser survenir l'évasion, le suicide suicide ou le décès d'un prisonnier avant la fin de son interrogatoire, the person le responsable était qualifié de traître as a traitor à to la the révolution and et arrêté. Some witnesses suggest, cependant, however, certains témoins laissent entendre que la majorité des membres du personnel de S21 qui ont été arrêtés, et plus particulièrement ceux provenant de la 703e division, l'ont été sans pour autant avoir commis une faute grave. Witness B le témoin B a déclaré que seul Duc pouvait donner l'ordre d'arrêter quelqu'un au sein de S21. Il a dit que si les prisonniers impliquaient des gens de la division 703, Duc les faisait arrêter, interroger et exécuter. Tout ceci, c'était parce qu'il y avait l'ordre Duc. J'ai remarqué dans cette prison, c'était Duc qui décidait. Le témoin a donné des exemples précis de cadres de S21 arrêtés sur les ordres de Duc, la personne U, la personne d'une compagnie de gardiens, la personne G, chef d'une compagnie ensuite passée aux interrogatoires, la personne W du niveau de la compagnie et plus tard la personne X, unité des interrogatoires. Le témoin B précise, tous ces gens sont morts. Je ne sais pas quelles étaient les charges retenues contre eux. Duc, quant à lui, fait valoir que si la première forme de purge envoyée à membre du personnel S21 était de la compétence de S21. À l'inverse, pour la deuxième forme de purge, incarcéré un membre du personnel S21, la décision relevée de Somsen ou de la personne J. Donc, Duc reconnaît toutefois qu'il était le seul à pouvoir rapporter à l'échelon supérieur une faute commise par un de ses subordonnés, qu'il agissait de la sorte chaque fois que la personne C lui remettait un rapport. Il souligne qu'il s'exécutait pour ne pas être lui-même mis en cause, car tout le monde avait peur pour sa vie et surveillait tout le monde. À la question de savoir si les personnes mentionnées dans le résumé qu'il établissait étaient systématiquement arrêtées, Duc a répondu, si je me souviens bien, il n'y a jamais eu aucune exception, j'ai toujours rapporté aux supérieurs et ils ont toujours ordonné l'arrestation des personnes mises en cause. E. Conditions de détention à Tualsin. La reconstitution effectuée à Tualsin le 27 février 2008 a permis de préciser les conditions de détention. Prisoners entered les prisonniers arrivaient presque quotidiennement à S21. They were then brought on les faisait entrer dans la prison, généralement menottés et les yeux bandés. Les intéressés étaient alors enregistrés et inscrits sur les listes tenues par la personne H. Ils devaient ensuite fournir des renseignements sur leur biographie et un résumé de leurs réponses. Ils étaient établis. Le plus souvent, ils n'étaient pas informés des raisons de leur arrestation. À leur arrivée, les prisonniers étaient pris en photo, sur laquelle on inscrivait en général un numéro et parfois son nom et la date de son arrestation. Selon Duc, ces photos étaient prises sur l'instruction de Somsen.
to aid dans le souci de faciliter la capture de tout fugitif éventuel. Les prisonniers étaient ensuite conduits dans leurs cellules par les gardiens. Les prisonniers étaient enfermés pratiquement 24/24. Le centre de détention comprenait de petites cellules individuelles et des cellules collectives plus grandes. Dans les cellules collectives, les prisonniers étaient offerts, enchaînés par les pieds, les uns à côté des autres. Le témoin F a expliqué qu'il ne pouvait même pas se lever. Les femmes détenues n'étaient pas offertes, à l'exception de celles qui se montraient récalcitrantes. Prisoners were kept tous les prisonniers étaient continuellement placés sous la surveillance du garde armé. Both inside the outside, les gardiens de faction à l'intérieur et à l'extérieur du centre de détention recevaient des instructions très strictes pour empêcher toute tentative d'évasion. However, cependant, il semble que quelques détenus soient effectivement parvenus à s'échapper. Stringent rules governed the lives of prisoners and deprived them of their most basic human needs. They were not permitted to speak to each other or to the guards. À s'adresser aux gardiens. When prisoners first arrived at S21, they were often stripped of their clothes, leaving just their underwear. They were not permitted to exercise or leave their cells. No bedding was provided to the detainees, while some si certains privilégiés s'étaient vus attribuer de bons matelas, la majorité des détenus devaient dormir à même le sol en béton. The concrete floor. Many detainees de nombreux détenus ont fortement souffert de piquures de moustiques. Although a number of bien qu'un certain nombre d'anciens gardiens interrogés aient affirmé qu'ils n'étaient pas autorisés à frapper les détenus, cette règle n'a pas toujours été respectée. Former detainee witness le témoin F that ces détenus se rappellent que des gardiens punissaient certains mauvais comportements en administrant aux récalcitrants 200 coups de canne de rotin. Il n'y avait aucune installation pour se laver et on ne retirait pas les fers aux détenus qui étaient enchaînés. Plusieurs témoins ont expliqué que les lavers consistaient à asperger la pièce au moyen d'un tuyau d'arrosage par l'embrasure de la porte. Le témoin G, ancien gardien à S21, a déclaré que les détenus n'étaient jamais correctement lavés puisque cette technique avait pour but de nettoyer en même temps les cellules. There was only Dutch confinés who dans made cellules, les détenus n'avaient d'autre choix que d'y faire leurs besoins. The witness provided specific example et défécant dans les bidons et des boîtes de munitions mises à leur disposition. At the orders of Dutch. They included Person Yu, chairman of the donc, defense en règle générale, les prisonniers recevaient deux fois par jour une ration de nourriture prisoners de not permitted to leave their cell to use the toilet and were forced to donc, urinate in jerrycans and the defecate in ammunition boxes. Prisoners typically received food of poor quality twice a day, which almost always consisted of gruel. Though some of the guards declared that rice was also served to the prisoners, evidence suggests that même si certains gardiens ont affirmé que du riz était également servi aux détenus, les éléments de preuve tendent à établir que ces derniers étaient sous-alimentés. Ces conditions généraient pour bon nombre d'entre eux une perte de poids et un délabrement physique important auquel certains ne survivaient pas. Duke explique que les décisions concernant le régime alimentaire étaient prises par l'échelon supérieur et qu'il n'avait pas le droit de modifier les rations fixées. Selon lui, la pratique consistant à priver les détenus de nourriture répondait à une politique de libérer du PCK. Il est clair en tout cas que les gardiens et les prisonniers importants étaient mieux nourris que les prisonniers ordinaires. Beaucoup de prisonniers souffraient de maladies, de blessures. Les soins médicaux de base étaient administrés par une équipe médicale de 3 à 5 personnes qui devaient s'occuper des prisonniers innocents. Les membres du personnel médical n'avaient pas étudié la médecine et travaillé sans la supervision de médecins. L'ancien détenu, donc témoin H, a personnellement constaté que des prisonniers à qui on avait injecté en fin de journée des solutions liquides par intraveineuse étaient retrouvés morts le lendemain matin. Nombre de ceux qui avaient besoin d'assistance médicale urgente étaient laissés sans surveillance ou recevaient un traitement inadéquat. Les stocks de médicaments étaient extrêmement limités quand il y en avait, il s'agissait de médicaments fabriqués au Cambodge par des personnes non qualifiées. D'après le témoin I, ancien médecin S21, les soins médicaux dispensés aux détenus avaient pour objectif de les maintenir en vie pour pouvoir mener à terme leur interrogatoire. Evidence suggests
that S21 personnel medical experimentation on prisoners. Preuve laisse à penser que les employés de S21 ont pratiqué les expérimentations médicales sur des prisonniers. Donc a indiqué que des recherches sur des poisons avaient été réalisées sur ordre du comité central, précisément de la personne J. Précisant, je sais aujourd'hui qu'en matière médicale, il y avait trois formes de crimes contre l'humanité à S21. Les autopsies pratiquées sur des vivants, les prélèvements de sang et les tests de médicaments. Une annotation inscrite par Duc en marge de Baveux indique expérimentation médicamenteuse. Duc a expliqué que cette annotation faisait référence à de nouveaux médicaments préparés au sein de l'unité. À partir de 1971, on a commencé à fabriquer des médicaments à base de formules ancestrales. Les conditions de vie décrites ci-dessus, auxquelles s'ajoutait la réalité des interrogatoires et des disparitions de corps détenus, ont gravement porté atteinte à la santé physique et mentale de bon nombre de prisonniers et dans bien des cas ont provoqué leur mort. Le témoin H a déclaré que 8 ou 9 des détenus qui partageaient cette cellule sont morts en l'espace d'un mois. Certains prisonniers ont aussi tenté de se suicider. F, conditions d'exemption après sort. À S24, les gens étaient soumis à des travaux forcés dans un but de rééducation ou de conditionnement. Des combattants et des cadres de S21 assuraient le fonctionnement du centre. Donc a soutenu que ceux qui s'y trouvaient n'étaient pas en prison comme on l'entend de ceux qui étaient détenus à Toulsling, fait corroboré par le témoin J, lui-même envoyé en détention, en rééducation plutôt, à S24. Donc a ajouté que si les détenus et les employés de Pressor ne pouvaient pas circuler librement sans autorisation, cette règle valait également pour lui, fait corroboré par d'autres témoins. Corroborated. However, il n'en reste pas moins que ceux qui étaient envoyés à S24 étaient privés de leur liberté. Ils étaient étroitement surveillés tant au travail que pendant la nuit. Des témoins ont indiqué que Pressor était divisé en trois unités. L'unité 1 pour les délinquants les plus légers, l'unité 2 pour les cas intermédiaires et l'unité 3 réservée aux détenus aux comportements les plus graves. Les conditions de privation de liberté étaient plus strictes pour les détenus de l'unité 3, puisqu'ils étaient enchaînés la nuit et ne pouvaient pas vivre dans des maisons ordinaires. Quant à ceux qui étaient logés dans ces maisons, il apparaît que certains d'entre eux étaient enfermés la nuit. D'anciens détenus ont indiqué qu'ils recevaient deux repas par jour, midi et soir. À quelques rares exceptions près, des prisonniers ont affirmé que les rations de nourriture distribuées à Pressor étaient insuffisantes. Alors même que Duc a expliqué qu'il avait remis au comité central le surplus de riz produits. Les conditions étaient plus strictes pour les détenus de l'unité 3 qui recevaient une portion plus congrue que les autres. Duc a déclaré ici encore qu'il ne pouvait pas modifier les rations fixées et que, selon lui, la pratique consistant à priver les prisonniers de nourriture répondait à une politique délibérée à S24. Les personnes détenues à Pressor, y compris les femmes et les enfants, travaillaient dans les rizières, pêchaient, cultivaient des légumes, effectuaient des travaux de repiquage, érigeaient des digues et creusaient des canaux et des étangs. Plusieurs témoins ont affirmé qu'ils travaillaient jour et nuit, 7 jours par semaine, et n'étaient pas autorisés à se reposer pendant les heures de travail. Une journée normale de travail à Pressor commençait à l'aube, entre 4 et 7 heures du matin, et se terminait entre 10 heures du soir et minuit, avec deux pauses d'une heure pour les repas. Les travaux étaient effectués sous la surveillance de gardiens pour qui l'efficacité était de rigueur et qui ne toléraient pas que les détenus fassent preuve de lenteur. Les prisonniers qui étaient malades ou qui arrivaient en retard ou ceux dont le travail n'était pas jugé satisfaisant étaient battus et insultés. Ils étaient également punis lorsqu'ils se rendaient coupables d'inconduite sexuelle
and former d'être malade ou de voler. Un ancien détenu, le témoin K, a déclaré qu'il avait été battu à deux ou trois reprises, ajoutant par ailleurs que parfois les gardiens punissaient les travailleurs en les privant de nourriture. Le témoin C, un ancien employé de S21, envoyé à S24 en rééducation, a expliqué qu'il travaillait aussi dur qu'il pouvait en vue de s'améliorer, car il savait, sans qu'on ait eu besoin de lui dire, qu'en cas de manquement, il serait tué. Des séances régulières de rééducation étaient organisées à Pressor, durant lesquelles les détenus, à qui l'on enjoignait de travailler rapidement et efficacement, étaient soumis à une formation politique et à un endoctrinement et à des séances d'autocritique durant lesquelles ils étaient forcés de reconnaître leurs fautes et celles d'autres personnes. La peur d'être transféré, de se faire battre ou exécuter était omniprésente. Les disparitions de prisonniers pendant la nuit étaient monnaie courante, et ceux qui disparaissaient ne revenaient jamais. Dutch n'a pas contesté que certains détenus à Pressor aient pu être transférés à Chung Ek pour y être exécutés. Et les éléments de preuve tendent à établir que c'était les détenus de l'unité 3 qui risquaient le plus d'être exécutés de la sorte. Certains prisonniers ont été également transférés à Tulslang. La liste combinée des prisonniers de S21 mentionne les noms d'au moins 571 personnes transférées de S24 à Tulslang, étant précisé que ce nombre inclut de toute évidence des membres du personnel de S24 ainsi que des détenus. Le président, j'invite maintenant le greffier Doug Parry à poursuivre la lecture des faits. Le greffier. Deux, interrogatoire. La majorité des prisonniers détenus à S21 ont été systématiquement interrogés. Ces interrogatoires étaient menés par les employés de S21 que Doug et son adjoint avaient répartis en différentes équipes. Il ressort des éléments de preuve que les interrogateurs ne pouvaient pas choisir les prisonniers qu'ils allaient interroger. Une fois les prisonniers répartis, les interrogateurs allaient chercher les prisonniers dans leurs cellules et les conduisaient, les mains menottées et les yeux bandés, vers les salles d'interrogatoire. En règle générale, ce n'est qu'après avoir attaché leurs jambes à une table qu'on retirait les menottes aux prisonniers pour leur permettre de rédiger leurs aveux. Les interrogateurs demandaient aux prisonniers de s'expliquer sur leur biographie et sur les activités qu'ils avaient exercées et qui avaient conduit à leur arrestation. Tous les interrogatoires n'aboutissaient pas à des aveux écrits. Les interrogatoires étaient conduits quotidiennement de 7 à 11 heures du matin, puis de 14 à 17 heures, et encore le soir de 19 à 23 heures. Aucune règle générale ne fixait le nombre d'interrogatoires que pouvait subir un détenu ou la durée de ceux-ci. Les séances d'interrogatoire ne s'achevaient que lorsque les aveux rédigés par le prisonnier étaient jugés satisfaisants. Les prisonniers pouvaient être interrogés à maintes reprises et sommés de réécrire plusieurs fois leurs aveux. Un certain nombre de témoins ont vu Doug interroger les prisonniers à S21. Le témoin E a affirmé que les interrogatoires conduits par Doug étaient monnaie courante. On peut par exemple constater qu'en marge des aveux de Y figure l'interrogation suivante, interrogatoire principal Doug, deuxième, second interrogatoire G. À ce propos, Doug a reconnu qu'il avait lui-même écrit l'annotation tout en maintenant qu'il n'avait pas interrogé le prisonnier en question. En fait, Doug a insisté sur le fait de n'avoir interrogé qu'une seule personne à S21, à savoir K, précisant qu'il l'avait fait sur ordre de Sonsen. Doug a expliqué qu'il avait instauré trois méthodes d'interrogatoire. La méthode froide,
hot, la méthode chaude and chewing methods. Et la méthode de mastication. The cold method la méthode froide consistait à interroger un prisonnier en usant de la propagande sans avoir recours à la torture ou à des insultes. The hot la méthode chaude incluait explicitement les injures, coups ou autres tortures autorisées par le règlement. The chewing method was an la méthode de mastication était une technique intermédiaire consistant à expliquer gentiment pour établir un lien de confiance followed by prayers to the interrogated person, puis à implorer la personne interrogée en l'invitant à écrire avec insistance. La torture était aussi utilisée. Le témoin E, qui faisait partie de l'équipe de mastication, a précisé que la torture n'était pas forcément utilisée au tout début de l'interrogatoire, mais que les interrogateurs y avaient recours lorsque les résultats obtenus ne s'avéraient pas satisfaisants au bout de deux ou trois jours. Bien que Duke ait admis one borrow heavily from Security Center M13 with respect to interrogation techniques, while recognizing that M13 did not bien que provide Duke ait admis confession que S21 which reflected est beaucoup the truth. Aux techniques appliquées à this M13, was confirmed by witness A. Et tout en reconnaissant que M13 produisait des aveux qui ne reflétaient pas nécessairement la vérité, il a expliqué que ces techniques utilisées venaient de M13, ce qui a été confirmé par evidence suggests that interrogators at M13 in the early 1970s, selon certains témoignages, Duke contrôlait personnellement le déroulement des interrogatoires conduits à M13 et y participait souvent. Les éléments de preuve tendent à démontrer que les interrogateurs à M13 au début des années 70 avaient souvent recours à la torture pour arracher les aveux aux prisonniers. Plusieurs témoins ont affirmé que Duke torturait personnellement des prisonniers à M13, l'accusant notamment d'avoir infligé des brûlures aux prisonniers, de les avoir frappés à coups de cannes de bambou et de les avoir immergés dans l'eau. Systematic use of petit a, recours systématique à la torture durant les interrogatoires. Duke a confirmé l'application systématique de la torture à S21, déclarant que quiconque était amené pour interrogatoire could not avoid ne torture. Pouvait éviter la torture. The use of torture appears il semble to have que la politique générale consistant à appliquer la torture était appliquée uniformément sur tous les détenus, quelle que soit la raison de leur arrestation. À l'exception notable a, du témoin 1, absolument tous les interrogateurs ont admis l'usage de la torture. Furthermore, en outre, considerable un nombre considérable de documents émanant de S21 met en évidence des annotations faisant directement référence au recours à la torture. Duke a déclaré « La situation était la suivante. Pour les simples combattants, c'est C qui maîtrisait tout et pouvait ordonner la torture. » Pour les prisonniers importants, such as person o, comme O, c'est Sun Sen qui me transmettait les ordres et qui décidait de torturer. Trois carnets appartenant à des interrogateurs de S21, la liste statistique du bureau de sécurité S21, politique, idéologie et organisation, si après la liste statistique, the person F notebook attributed le carnet to person de F, F attribué and the à F G, person et le carnet Z notebook de G the Z décrivent de façon détaillée le système des interrogatoires et des tortures à S21. La liste statistique que certaines sources désignent à tort comme le manuel de torture et dont on pense qu'il contient des notes prises par un interrogateur, contient des instructions d'ordre politique se rapportant au déroulement des interrogatoires, enjoignant notamment les interrogateurs de briser les prisonniers en faisant de la propagande ou en les torturant. Ce document contient également l'instruction suivante. Si l'Anka ordonne de ne pas frapper, ne frappez en aucun cas. Lorsque le parti nous demande de frapper les détenus, alors il nous faut les frapper en faisant preuve de maîtrise pour qu'ils parlent et pour qu'ils puissent s'échapper en mourant ni pour qu'ils deviennent si faibles
qu'ils tombent malades et qu'on les perde. Fin de citation. Duke a confirmé que les instructions et les idées politiques figurant dans le carnet de F et dans la liste statistique traduisaient fidèlement ses enseignements et instructions et reflétaient pour l'essentiel ses idées. L'usage de la torture était connu de l'ensemble des employés de S21. Un gardien, le témoin L, a déclaré qu'il avait appris le principe de la torture auprès de Duke à l'école du chef de l'unité des 100 des 50. Il disait que les prisonniers sont des ennemis et s'ils ne répondent pas, on peut utiliser la torture. Les conséquences physiques de la torture, lacérations, saignements, contusions, ecchymoses, perte de conscience, ongles de doigts et d'orteils arrachés étaient à ce point visibles que presque tous les anciens employés de S21 interrogés ont reconnu que même sans avoir personnellement assisté à des séances de torture, ils savaient que de tels actes étaient pratiqués. Par exemple, le témoin M a déclaré que la plupart des prisonniers à S21 avaient le corps meurtri par des blessures, le visage enflé et le contour des oreilles ulcéré par des décharges électriques. Certains gardiens ont en outre déclaré qu'ils avaient personnellement vu ou entendu des séances de torture. L'usage de la torture pendant les interrogatoires avait pour objet d'obtenir une réponse complète qui incluait les crimes dont le prisonnier était accusé et les noms d'autres ennemis présumés du régime. S'agissant des prisonniers vietnamiens, Duke a précisé que l'objectif visé en les interrogeant était d'obtenir des aveux établissant la preuve que le Vietnam avait envahi le Cambodge pour l'intégrer dans une fédération indo-chinoise. Les interrogatoires des prisonniers vietnamiens, contrairement à ceux des Cambodgiens, étaient souvent enregistrés sur bande magnétique et leurs aveux étaient ensuite diffusés à la radio à des fins de propagande. Plus de 50 transcriptions de confessions de Vietnamiens diffusées à la radio figurent au dossier. Selon Duke, l'objectif visé n'était pas d'interroger les prisonniers de guerre sur les plans militaires des Vietnamiens. Toutefois, le témoin A affirmait que ces prisonniers étaient régulièrement sommés de fournir des informations relatives aux champs de bataille et aux stratégies de combat. Cette déclaration in connection with other remaining documents from S21, met en évidence le double objectif poursuivi à travers l'interrogatoire des prisonniers de guerre, à savoir faire de la propagande et recueillir des renseignements. B. Duke's personal participation in torture. In his interviews before the co-investigating judges, Duke consistently denied ever torturing prisoners at S21. However, he admitted that while deputy secretary, he would sometimes intervene during interrogation sessions being carried out by S21 staff. In these instances, he would occasionally give the prisoners a few slaps. Aux prisonniers. He added that this might have continued for one or two months encore un ou deux mois after he was appointed chairman. Président du centre. In interviews prior to his arrest, Duke appeared to admit torturing prisoners, and in particular person K. However, it is not entirely clear. During the judicial investigation, Duke admitted interrogating person K, but stated that Sun Sen ordered him not to use torture. Several witnesses declared that they saw Duke beating prisoners, including
kicking prisoners, beating a man with a piece of rattan, and striking blows. Encore asséner des coups de poing. One witness claimed to have observed him beating a prisoner in front of S21. Witness E also said également déclaré he saw Dutch electrocuting a woman during an interrogation. He told investigators that Dutch, together with five or six interrogators, including person F, person AA, person BB, person CC, and person G, tortured her from 9 at night until 3 in the morning, de 9 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Since the woman did not confess, ayant refusé they continued until she lost consciousness. À l'abattre jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Witness E, le témoin added E that a ajouté he saw Dutch qu'il avait beat, vu Duke electrocute, l'a frappé, and undressed the woman, et lui retirer leaving ses her wearing only her panties. Sa culotte. Dutch beat her until he got tired, whereupon someone else would interrogate while he listened for the responses. Pendant qu'il se contentait d'écouter ses réponses. He said il a déclaré the interrogators were laughing rigolaient and joking et plaisantaient while they administered the torture. Dutch denied this incident cette and said that et a accusé witness E le témoin was concealing his own activity and making agissements. Up stories. Witness A also a denies a également contesté the que la electrocution incident électrocuté. Took place. However, Dutch confirmed par contre, Duke the a veracity a of a separate incident between prisoners. Witness N declared that relaté par le témoin N, one day qui a in the painter's room, dans la salle occupée par les peintres, Dutch ordered Duke him lui avait to exchange blows with a sculptor. Un sculpteur. Person DD le témoin by hitting each other with a rubber hose. En caoutchouc. Dutch conceded that he ordered this sin, donné cet ordre, but could not remember any particular reason for so doing. À agir ainsi. Numerous witnesses, de nombreux témoins, amongst them former interrogators, anciens interrogateurs explained à that Dutch, ont expliqué que Duke, chairman, en tant que président du centre, ordonnait de pratiquer des actes prisoners. De torture sur les prisonniers. Dutch did not contest this, n'a pas stating contesté that cela, déclarant if the prisoner was less important, I assigned person Z, à la personne Z because this person Z liked to use torture very Z much. Aimait bien la torture. When a prisoner refused quand un prisonnier to answer, ne répondait pas, I told person je G to send the prisoner to person Z. Prisonnier à la personne Z. Witness E acknowledged that a reconnu Dutch que personally taught enseigné the use of torture to the interrogators. He continued, précisant, in torturing prisoners, oui, il y avait he, des directives Dutch, sur la gave instructions, electric shock, beatings, le tabassage, putting their heads in plastic bags, sacs en plastique, pulling out fingers, through nails, des ongles, but he prohibited letting des them die. Des pieds, mais il était interdit que les witness E further acknowledged that the interrogators ailleurs, had the right to torture if a prisoner did not respond. Le droit de recourir à la torture. He stated that the decision to torture was given by Dutch verbally, either in person or by telephone. Ou par téléphone. Witness E le témoin E said that whenever he was unable to make a prisoner talk, à faire parler un prisonnier, he asked for advice from Dutch, l'avis de Duke, who would respond by saying, en so termes. Use torture. Dans ce cas, utilise la torture. Another interrogator, un autre witness G, stated témoin G, that a affirmé he frequently received instructions from Dutch, Duke, who provided training on how to interrogate prisoners, pointing out weak points. En indiquant leurs points faibles. Witness G, le témoin G added, a ajouté, as for me, the torture concerne, was assigned to nouvel interrogateur, je n'avais pas le droit de torturer. Because I was a new interrogator, C.
que l'on confie cette tâche. Les interrogateurs, as for the old, more senior interrogators, anciens, eux, they had the right to torture. Le droit de torturer. For his part, Deutsch admitted to differing degrees that he ordered the torture of prisoners. Des prisonniers. He claimed il a to have taught interrogation techniques only once, qu'à une seule occasion, while he was alors still deputy secretary under person B. Ordres de la personne B. He continued, il a précisé, the training was for about 1 week a duré environ and 2 hours per day, à raison de 2 heures par jour. After that, ensuite, I called comrades individually to provide advice or to correct mistakes et pour corriger leurs fautes. The instructions were not to rely heavily on torture and be patient. Et d'être patient. Moreover, par ailleurs, Deutsch admitted Duc that a admis he set the rules, c'est lui qui fixait les règles concerning interrogation. Les interrogatoires. The judge. Please be adjourned for a moment alors for the IT to transfer the system. Temporairement, simplement please be seated. Pour donner à vos Mr. President, please, Mr. Dupéry, continue the reading. Monsieur Dupéry, veuillez poursuivre. Mr. Dupéry, when Dupéry, confronted by the co-investigating judges with annotated confessions, donc, Deutsch recognized three written orders to conduct torture. Duc a reconnu trois ordres écrits de sa main. He stated that enjoignant de pratiquer la torture, il a confirmé que written, c'était bien lui qui avait yet écrit. Confessed. To be cite, tortured, pas encore confessé, and torturé, later, et interrogate meticulously, interrogé meticuleusement, but moderate grave, torture, mais modéré, in order le to find the networks, de trouver les réseaux, frappé, until she stopped saying she went to Vietnam with her grandfather to cure his cancer, le cancer and the problem of menstruation. Menstruation. In these two instances, Deutsch claimed a fait valoir he que, had dans not ses, yet que dans les deux premiers cas, il n'était pas encore président de S21 et qu'il n'avait fait que transmettre relaying orders les ordres from his de ses supérieurs, person B, la personne B et Sun Sen. In the final instance, pour le troisième Deutsch ordre écrit, il a reconnu avoir donné, alors qu'il dirigeait S21, l'instruction à son subordonné, l'interrogateur, la personne G, to use torture, d'utiliser and la that torture in the event, this en lui garantissant qu'il ne serait pas puni si le détenu devait déceler des suites that et G des not be sévices infligés. Deutsch stated that Duc a affirmé on this occasion, qu'à cette occasion, he received il avait reçu instructions des instructions de Sun Sen par téléphone. C. C'est torture méthode techniques. De torture. Interrogators les interrogateurs utilisaient plusieurs méthodes de torture in order pour to extract arracher confessions des aveux from prisoners. Aux détenus. According to selon Deutsch, Duc, only four methods of torture were autorisées. Allowed. Beating, les coups, electrocution, l'électrocution, placing a plastic bag over the head, le sac en plastique sur la tête, pouring water into the nose, verser de l'eau dans le nez. Deutsch specified Duc a précisé the method que la méthode la plus souvent utilisée with consistait a stick à frapper les détenus avec un bâton, car les autres méthodes entraînaient une perte de temps. It appears that il s'avère que the severity of torture les actes de torture increased gagnaient en cruauté lorsque not le détenu ne livrait pas les aveux escomptés. A confession was une confession insuffisamment if it was précise ou ne mentionnant pas le nom de quelque traître que ce soit était jugé inacceptable. Deutsch stated that Duc a affirmé he was unaware ne pas être of the au courant d'autres formes de torture. Some of which he said were prohibited at S21. Despite this, Deutsch later acknowledged that he knew
about the practice of puncturing or removing fingers and toenails. Des doigts et des orteils des he added that he reacted to this knowledge informé de cette pratique, by il avait réagi writing a en écrivant report. Un rapport. But there is no other evidence mais aucun élément de that preuve he ever disciplined a démontré qu'il a sanctionné le moindre interrogateur for using this ayant and pratiqué other ces actes de torture ou d'autres méthodes non autorisées. In fact, en fait, witness E le témoin stated E that affirme que this form of c'est torture Duc lui-même qui avait ordonné de pratiquer cette forme de torture. There is also evidence il ressort that également at least des éléments de preuve versés au dossier qu'au moins un prisonnier aurait été forcé de manger des excréments. Dutch said in Duc this respect a déclaré à ce that sujet he tended qu'il avait to refuse refuser the idea l'idée that he was aware of these practices, qu'il ait pu être but au that courant he de telles could not pratiques, rely on his memory fier for à sa such specific pour ce genre points. De détails. As he was primarily interested que ce qui in the content surtout, of the confessions, le contenu des confessions and et que, did not pay close lors, attention to the manner in which prisoners à la manière were treated. Dont les prisonniers étaient traités. He also recognized il a également that concédé cold water que les techniques de l'eau froide et du were ventilateur étaient utilisées à S21, admitting that admettant he did not react qu'il ne s'était pas opposé à ces pratiques. According to selon Vines le J, témoin J, some other practices, les interrogateurs avaient également recours à d'autres méthodes de torture, such as removing the clothes consistant of à déshabiller prisoners, and then using electrical equipment leur to envoyer suck des décharges électriques sur les parties génitales et sur les oreilles, were used during interrogations. Au cours des and the reconstruction, lors the possibility that prisoners had been tortured a using a bathtub, now baignoire, exhibited aujourd'hui and it was by museum, was discussed. Pour torturer les détenus. As 21 guard, witness garde, L, le témoin stated he had L seen it, a indiqué and qu'il witness avait H vu cette baignoire, explained et that le témoin H a Vietnamese expliqué qu'un Vietnamien lui avait raconté avoir he été had torturé been dans one. Ce bassin. However, néanmoins, Dutch maintained Duc affirme that he had never ordered that jamais ordonné l'utilisation be used de la baignoire to torture prisoners, and nor was he aware that one had been de used. Son usage. The investigation also revealed the occurrence of practices, pratiques such as forcing the detainees to pay homage to images of dogs. À des images de chiens. Dutch admitted to the co-investigating judges that Duc a reconnu he was aware of this practice, cette pratique, insisting initially d'abord sur le fait qu'il that he did not support it. Opposé. But later, puis, acknowledging admettant qu'il avait encouragé les interrogateurs à y avoir recours. Interrogator's training session lors d'une on session de formation organisée May le 28 mai 1978. Moreover, en outre, witness H le témoin H seeing a guard s'est rappelé avoir vu un gardien to a portico, un prisonnier suspend him with a cord, le suspendre par une corde et plonger sa tête dans une jarre remplie d'eau. Full water jar. Witness le témoin H watched a observé cette scène the depuis la fenêtre de la salle occupée room. Par les peintres. Two former S21 prisoners deux anciens prisonniers de S21 ont décrit aux enquêteurs les actes about their experiences de torture of being tortured. Qu'ils ont subis pendant leur détention. Witness F le témoin F a déclaré avoir été frappé was repeatedly bitten à on the plusieurs back reprises dans le dos piece of avec wood. Un morceau de bois. Later, an un interrogateur lui avait ensuite arraché les ongles des orteils from aux deux both pieds. Of his feet. He also said il a également affirmé he received avoir electric reçu shocks des décharges électriques sur le lobe des oreilles. And on the third day, ajoutant que le troisième jour de son interrogatoire, il avait perdu twice connaissance à deux reprises.
He specified that he was subjected to this treatment for 12 days and 12 nights. Witness N, for his part, said that upon being taken to the interrogation room, the interrogators showed him the torture equipment and asked him to choose which implements would be used against him. He was then beaten out the back on the back with a whip, a rattan stick, an electrical cable, wild, handcuffed, and forced couché, to lie face down on the ground. He said his back was cut and bleeding all over the floor, and that he was also electrocuted, ajoutant qu'il avait également été électrocuté. He added that he was tortured twice a day over a consecutive two-week period. The gravity of the physical abuse described above led to death in certain cases. Dutch acknowledged this to be the case and stated that ajoutant qu'il avait he organized a study session to remedy this situation. However, toutefois, he also conceded that on 1st October 1976, he wrote a letter to a subordinate, person G, in which he instructed him to use torture. He said that if the torture resulted in the death of the detained person, person G would not be considered responsible. There is evidence of rape being committed at S21. However, recollections differ. And it is not clear how many instances occurred. Dutch stated that there was only one incident involving his former school teacher, la personne de son ancienne institutrice, la personne where an interrogator, originally from Division 703, inserted a stick into her genitals, dans les organes génitaux. After the rape was reported, Dutch said that he discussed the incident with person C, who was responsible for the men of Division 703. He recalled that he told person C to criticize the perpetrator. Dutch said he reported the incident to his superior, son supérieur de cet incident, did not say anything. Que ce dernier n'a rien dit. Consequently, he did not punish the perpetrator, who was simply assigned to interrogate another person. He also suggested that in the future, wives of cadres were to interrogate female prisoners, a change which was implemented. However, witness E stated that these female interrogators were all eventually arrested, and from at least 1977, female prisoners were again interrogated by male guards. Dutch finally stated that he now admits that he failed to punish serious crimes that violated human dignity, integrity, the president. Now, it's time for the chamber to adjourn for lunch. De suspendre la séance the reading is going to take some time. And I would like donc, to declare the adjournment temps, of the hearing suspendre until 1:30 when the chamber will resume. Please, participants, come to occupy your seats before 1:30 this afternoon for the proceedings to continue. Assurez-vous de bien revenir avant 13:30 avant que la séance ne reprenne. It's 1:30 p.m. Donc, il s'agit de 13:30. I instruct the detention officials to take Kang Il back to his detention room and bring him back before 1:30 p.m. this afternoon. Ramener l'accusé avant 13:30 dans cette enceinte. Merci.